time. Don't you hear ring? Mama's calling. Sisters, tell me how you feel from your heart and your soul. Oh, sister, don't you hear mama's calling from the cosmic sky down to Herb's heart? Sisters, it's time to rise the vibe through love and healing. The revolution is coming, growing through our wombs, birthing on Herb by energy. That one we came here to embody. Sisters, rise up, stand up for yourself, so I can hold you, because I missed you. Oh yes, sister, never forget that purpose, that mission you're here to complete. The more beautiful project is that you're here to rise up in yourself through love and healing. Oh man, don't cry, 'cause my sister and I are here rising the vibe. The energy is shifting, don't cry. My sister and I have heard the calling. Yes! Salut tout le monde et bienvenue sur the first video of Alexandra's channel, aka The Fairy Artist. Je suis super contente d'être là, première chose. C'est pour ça que je suis vraiment, 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 vraiment très motivée et très excitée. Mais je vais essayer de me concentrer. Enfin, pas essayer, parce qu'on va pas faire qu'essayer, on va réussir. Oui. À être soi et à rester concentré sur l'objectif qu'on s'est fixé. Et moi, en ce moment, l'objectif, c'est vous parler, faire une petite vidéo d'introduction sur la reconnexion à l'énergie féminine. Qu'est-ce que c'est? Et je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais je vais juste vous parler en fait de ce que je pense de cette élévation de la vibration de l'énergie féminine. Voilà. Donc déjà, nous sommes à une période de changement très important sur la planète Terre, au niveau de la vibration. Beaucoup parlent de l'ascension dans la cinquième dimension. Oui, on entend beaucoup parler de ce genre de choses. Et l'éveil du féminin sacré, du féminin divin, Divine Feminine, c'est l'une des preuves en fait les plus importantes de cette période qu'on vit en ce moment de changement et de shift en anglais. Oui, je vais essayer de trouver le plus de mots français pour parler, parce que la plupart des choses que j'ai apprises, je l'ai appris en anglais. Voilà, parce que en lisant des articles anglophones, etc., etc. Et même des... Ouais, donc c'est pour ça que assez souvent les mots-clés que je connais pour me référer à cette période du temps, ce sont souvent des mots en anglais, mais je vais faire des efforts pour pouvoir trouver les mots en français de manière à ce que ça puisse être correct. Et à ce que tout le monde puisse comprendre, on va dire.
Donc, nous sommes dans une période de changement. Voilà, shift, changement. Dans une période de changement. Et où on assiste à l'éveil du féminin sacré. Partout sur Terre, il y a beaucoup de femmes qui commencent à se réunir, à faire ce qu'on appelle des cercles de femmes. Et à aussi mener des rituels autour de l'éveil du féminin pour élever la vibration de la planète Terre. Et en fait, ce changement qu'on vit en ce moment, c'est un changement de rééquilibre en réalité. Parce qu'avec tout le passé patriarcal, en tout cas, qu'il y a eu pendant une longue période sur Terre, ben, le féminin sacré, en tout cas, avait été brimé. Voilà. Recouvert sous une couche de masculinité toxique. Voilà. Puisque c'est ça, en fait. Le masculin divin dépend du féminin divin et ils travaillent ensemble. Le masculin divin éveille le féminin divin et le féminin divin éveille le masculin divin. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ce qui veut dire que plus de féminité sacrée, bon, quand je dis plus, pas vraiment, puisque les choses ne disparaissent jamais totalement sur Terre, mais bon, ça c'est autre chose, mais un féminin brimé équivaut à un masculin brimé aussi, un masculin toxique, un masculin en peine autant que le féminin. Et maintenant justement, le féminin est en train de s'éveiller et avec lui le masculin sacré aussi s'éveille à nouveau. Donc nous vivons à une période très particulière du féminin sacré. Et par conséquent, moi, je dirais que la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est de me reconnecter à moi-même au niveau de l'énergie féminine. C'est là qu'on prend conscience déjà de tout ce qu'il y a comme conneries autour des femmes dans le monde. Mais quand je dis dans le monde, je ne parle pas uniquement dans les pays où les femmes ont encore des droits, dans le monde physique, ont encore des droits limités, se font encore violer, enfin, où elles n'ont pas du tout... Où le fait qu'elles n'ont pas de pouvoir sur elle-même est encore plus flagrant. Je parle vraiment dans le monde, que ce soit aussi dans les sociétés dites modernes occidentales, parce que là aussi le patriarcat c'est la même chose. Il n'y a pas de différence, c'est juste qu'il est plus caché, on va dire. Et que pour vraiment s'en apercevoir, il faut vraiment se déprogrammer notre vision, déconstruire notre idée de la normalité pour réellement voir la réalité et surtout oser s'écouter et ressentir, parce que les injustices dans le monde, on les ressent à l'intérieur de soi. Et de même, si on s'autorise à s'écouter et surtout à écouter les personnes opprimées, oui, donc dans le cas du féminin, écouter les femmes, ce qu'elles ont à dire, ce qu'elles ressentent quand elles crient de colère, quand elles crient de tristesse, écouter en fait et laisser leur message nous toucher là où il a à faire écho, c'est là qu'on commence vraiment à voir comment notre société est réellement construite. Donc, je m'égare un petit peu parce qu'effectivement j'ai beaucoup à dire sur le sujet et c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Mais je vais rester focus, concentrée. La vidéo de reconnexion à son féminin, qu'est-ce que c'est en gros? Mais déjà en fait, pour les femmes, parce que la reconnexion au féminin ne concerne pas uniquement que les femmes. En tant qu'être humain, énergétiquement, nous avons un côté masculin, un côté féminin. Non, je faisais une vidéo. Mais d'accord. En fait, il me dit ça parce que je suis pour la Croatie. Bref. reprenons. Donc je disais, nous sommes des êtres complets, ce qui veut dire qu'on a une part yin féminine, une part yang masculine. Et donc la reconnexion à son féminin ne concerne pas uniquement les femmes. Justement, dans le processus de s'éveiller à son masculin sacré, se reconnecter à sa part féminine de soi, sachant que la société d'aujourd'hui interdit limite aux hommes de se reconnecter à leur part féminine parce que c'est signe de faiblesse, de ceci, de cela. C'est même nécessaire pour un homme de prendre le temps de se reconnecter à ce qu'il y a de féminin en lui. Et quand je dis ce qu'il y a de féminin en lui, je ne parle pas vraiment de ce qu'on attribue féminin comme le... Non, pas ça. Je parle vraiment de ce que l'énergie féminine apporte dans le monde. La créativité,
l'intuition, l'écoute de soi, l'amour, la guérison. Je vais rentrer dans ces sujets-là dans une autre vidéo. Parce que justement, ce sera le but de des séries à venir, en fait, où je vais vous parler des différents aspects du féminin, ce que j'ai découvert dans mon propre cheminement. Donc, je reprends. La reconnexion au féminin pour les femmes, en fait, c'est un des chemins de la reconnexion à soi, à son authenticité propre. Parce que c'est le but de tout être humain, de se reconnecter à qui on est vraiment. On vit dans un monde où la société, depuis notre naissance, nous bourre le crâne de « il faut, il ne faut pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. » Et se retrouver, nous qui nous sommes, à tous les niveaux, physique, et émotionnel, mental et spirituel, pour aligner tout ça et vraiment exprimer notre qui nous sommes pleinement, c'est tout un travail. C'est tout un travail. Et la reconnexion au féminin est un chemin que je conseille beaucoup aux femmes au travers de la reconnexion à soi. Donc sur cette chaîne et dans la série dont je vais vous parler, je vais vous partager en fait ce que moi j'ai fait comme expérience autour de ma reconnexion à ma propre féminité. Donc c'est pas, là encore, ma parole n'est pas parole d'évangile. C'est-à-dire la reconnexion au féminin et le cheminement surtout, plutôt le cheminement dans la reconnexion au féminin est propre à chacune. Parce qu'il n'y a pas un modèle d'énergie féminine, d'expression on va dire d'énergie féminine qu'il faut, auquel il faut aspirer. C'est quelque chose, il y a autant d'expressions du féminin qu'il y a de femmes sur terre, qu'il y a d'êtres humains sur terre en réalité. Donc ce que je vais vous partager, c'est juste ce qui m'a aidé moi, et j'espère que vous allez raisonner avec, ça va pouvoir vous aider, vous donner des pistes pour commencer, pour que vous puissiez vous-même vous approprier tout ça et avancer dans votre propre cheminement, à votre rythme et à votre manière pour exprimer votre... comment dire ça? Pour incarner votre expression propre de la féminité, de l'énergie féminine. Voilà. En mots-clés, puisque... Désolée si c'est un petit peu fouillis, ce que je suis en train de vous dire, c'est du one-shot. Que je fais en ce moment d'une seule prise quoi, et du coup j'essaye vraiment de retenir mes idées pour qu'elles puissent être effectives, mais je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire en termes de la reconnexion à son... Ah oui, voilà, le message important que je tenais à faire passer et que j'ai mis dans la chanson du début, c'est que on est dans ce processus où la planète Terre elle-même s'arrange pour élever sa vibration pour qu'on puisse passer à une autre étape de l'existence, on va dire, du mouvement d'expansion de l'univers. Donc, ça passe par nous, humains, êtres humains, et surtout en ce moment, ça passe par nous, les femmes. Ça fait X temps que le féminin, la féminité, tout ça a été tabou, caché, brimé et couvert de honte aussi. Parce que la sexualité féminine est entachée d'un sentiment de honte. Et certaines femmes, beaucoup de femmes ont honte de ça. la sensualité aussi, beaucoup de femmes ont honte de leur sensualité, n'osent pas vraiment l'exprimer parce que c'est dangereux, c'est ça, c'est devenu presque dangereux d'exprimer sa féminité pleinement et librement comme on en a envie dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est très important en ce moment parce que l'élévation de la vibration de la planète et l'éveil du féminin aura un réel impact sur comment les sociétés humaines vont évoluer dans le futur. Nous, femmes, avons un lien particulier et profond avec la Terre au travers de notre utérus. On peut sentir sa peine, on peut sentir sa joie, on a vraiment... Il y a le proverbe chinois qui dit «
quand une femme s'éveille, les montagnes se déplacent. Ça veut dire qu'on a énormément de puissance parce que notre portail, notre utérus est justement le... la porte d'entrée en fait. Le portail d'entre deux mondes, moi c'est comme ça que je l'appelle, le portail d'entre deux mondes, entre le monde spirituel et le monde physique. C'est par là que les âmes viennent pour se réincarner sur Terre. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant, quelque chose que nos anciennes en réalité savaient. Beaucoup de sociétés, la majorité des sociétés anciennes étaient matriarcales et donc avaient en haute estime les femmes. Je ne dis pas qu'on devrait forcément retourner à quelque chose de matriarcal, j'ai pas vraiment d'opinion dessus, je suis plus pour une liberté d'être. En réalité, une société qui soit plus vraiment une société qui soit vraiment axée sur la communauté et la libre expression de soi-même sans vraiment labelliser, etc. les choses. Bref, ça c'est moi. Donc, mais pour vous dire que dans les temps anciens, justement, le pouvoir du féminin était vraiment respecté et était reconnu. Et beaucoup de ces, et il y avait beaucoup de savoirs à ce niveau-là. Et maintenant, ces savoirs-là sont en train de ressurgir. Avec les nouvelles âmes qui arrivent, celles qui s'éveillent à cette réalité. Et donc, c'est quelque chose de vraiment très riche pour notre planète qu'on s'apprête à accoucher, nous les femmes aussi en particulier. Donc, c'est... Vous savez, je sais qu'il y a vraiment un grand pouvoir au travers de l'utérus. Une grande puissance, en tout cas une puissance d'action, une puissance d'être, une puissance de guérison. Mais je suis en cheminement, je ne sais pas tout. Mais je peux juste vous partager cette excitation, ce « waouh, c'est génial !» sentiment que j'ai pour le moment. Et au fur et à mesure de mes propres recherches, partager avec vous, échanger avec vous aussi si vous avez des informations, des expériences. C'est ce que je voudrais pouvoir amener, créer on va dire. Donc je disais qu'effectivement par rapport à tout ça, l'éveil du féminin et le fait que chaque femme prenne le temps de se reconnecter à elle-même est vraiment enrichissant pour notre planète. En ce moment, le système dans lequel on vit, capitalisme, où tout est prépensé, programmation, etc., tout ça est en train de se casser la gueule. En vrai, comment dire, il est en train de se casser la gueule, mais ce qui est pas cool, c'est que il est en train de nous faire se casser la gueule avec lui parce que notre environnement est en train de souffrir en fait par rapport justement à l'abus que notre mère la Terre subit. Donc par rapport à tous ces abus-là, justement, on est en train aussi de se casser la gueule avec lui. Et c'est pour ça que l'énergie féminine est très importante puisque la caractéristique par excellence de l'énergie féminine, c'est la créativité. Ce qui veut dire que plus le féminin va s'éveiller, plus le féminin va s'élever, va reprendre sa place aux côtés du masculin dans un équilibre, dans l'équilibre auquel il est censé être, plus nous allons créer, nous reconnecter plutôt, plus nous allons nous reconnecter à cette nature créative qui est nôtre. Parce qu'en réalité, avant, le fait de fonctionner de manière très cadré, on va dire. Pas cadré, c'est pas le mot exact, mais de manière très prépensée, je dirais. C'est-à-dire, telle chose va là, on fait les choses avec ceci, puis on ne peut pas changer, on ne peut pas modifier. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nous, qui n'est pas notre nature. La nature de l'homme, de l'être humain, c'est de créer ce qu'il a besoin en tirant de l'abondance, de la nature, ce dont il a besoin pour vivre, pour créer, s'ouvrir. Oui, donc désolée, ma mère m'a appelée, du coup j'ai dû quitter le plateau. Donc je vous disais que justement la nature de l'humain est une nature créative. Le modèle de pensée qui veut que chaque chose soit déjà prédéfinie, prépensée, qu'il y ait
un nombre défini de possibilités dans notre réalité, c'est quelque chose d'extrêmement faux. La réalité, c'est qu'il y a une infinité de possibilités, d'où notre nature créative qui est juste, qui nous permet de manifester en fait tous ces chemins multiples qui existent en abstrait, en travaillant pour pouvoir les manifester, en ouvrant les voies en fait, en créant les voies nous-mêmes. Et en ce temps justement d'éveil du féminin, on retourne à cette réalité de notre être en tant que créateur, co-créateur et avec l'univers. Et justement, le fait que le modèle de société actuelle soit en train de s'effondrer de lui-même, parce qu'il n'est pas viable en fait, va de pair avec l'élévation du féminin qui va nous permettre en fait de repenser notre humanité, repenser nous-mêmes et repenser nos styles de vie, parce que ça passe dedans. Si chacun prend le temps de savoir ce qu'il veut pas, de se remémorer au quotidien qui il est, ce qu'il est venu faire, ce pourquoi il est là, et de se construire une vie sur mesure autour de ça pour entrer en relation avec les autres, parce qu'on n'est pas obligé de vivre tous de la même manière en réalité, bref, ça c'est pour une autre vidéo, et bien là justement les changements, des changements extraordinaires se feront sur la planète et se font déjà, puisque de plus en plus de personnes retournent à leur vérité propre, ce qu'ils ressentent. Parce que oui, ce que je parle beaucoup de l'authenticité, d'être soi, mais la vérité, ce que je veux dire par là, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est plus, c'est-à-dire ce que je veux dire par notre vérité propre, c'est ce que l'on ressent, qui l'on est au niveau de notre âme. Oui, je dois garder pour la prochaine vidéo. J'ai envie de le dire maintenant, mais en tout cas, on va dire, en général en fait, je parle vraiment de notre identité en tant qu'âme. Parce que ce corps physique, c'est pas moi. C'est-à-dire il est lié à qui je, à qui je suis, puisqu'il est la manifestation de ce qui je suis dans la troisième dimension. Mais ça n'est pas tout ce que je suis. Je suis bien plus que ça. Je ne suis pas limitée à ça. Et de même, ma vie n'est pas limitée à ce qu'on m'autorise d'en faire. Je peux la rendre aussi magnifique, aussi magique que je ne le veux. Voilà. Un petit résumé, mais donc voici ce que je me rends compte, que j'ai découvert que le féminin, l'élévation du féminin apporte à notre monde actuellement comme richesse, au travers justement de sa nature, c'est-à-dire ce qu'elle porte par son énergie, et aussi de tous les savoirs justement qui s'éveillent en même temps qu'elle. Donc sur cette chaîne YouTube, je vais principalement vous parler de ça, vous donner les petits conseils et oui voilà, des petits conseils que tirés de ma propre expérience et de mon propre cheminement du féminin. On va parler de comment se réapproprier sa sexualité, de comment se réapproprier son corps, se reconnecter à son utérus. Plein de choses. Je vais aussi vous conseiller quelques livres que j'ai lus et qui m'ont beaucoup aidé, notamment ce livre-là. Pour tous ceux qui lisent en anglais, ce livre-là est magique. Franchement, like, si vous voulez comment, enfin, en tout cas, je n'en dirai pas plus. C'est Sacred Woman de Queen Afua. Donc il s'adresse à toutes les femmes, mais et particulièrement à mes Black Sisters, African Sisters, Afro-Descent. C'est pour vous, voilà. Et donc je parlerai de tout ça, la sensualité, la sexualité, la masturbation. What else? Plein de sujets. Plus aussi des sujets qui sont aussi tirés de juste mon cheminement spirituel en général, ce que j'aurai à vous partager. En fait, c'est vraiment une chaîne où je voudrais faire passer tous les messages que j'ai au fond de moi et que j'ai gardé enfouis pendant longtemps parce que j'avais peur justement de la perception des autres sur moi-même. Et donc en fait, c'est ça, c'est vraiment une chaîne où je voudrais partager tout ça. Et aussi entendre ce que vous avez à dire justement, parce que ça me plaît vraiment beaucoup, j'aime le partage, j'aime l'échange. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus. Du coup, je vous souhaite une très très bonne journée.
beaucoup d'amour et d'ouverture en expansion et une reconnexion à vous-même en tous les instants. Voilà.